Ça va? Tiens bon, j'arrive. Toujours en vie? Ouais, c'est toi. Merci. Je commençais à croire qu'on nous avait laissé tomber. Je crois qu'on peut sortir par là. Lucas est un putain de psychopathe. Je sais pas ce qui est pire, lui ou ces choses. Il faut qu'on se tire d'ici. Par ici. On doit pouvoir sortir par en haut. Oh putain! Dis-moi que c'est pas vrai! Merde! 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 Enlève-moi ce truc! Non! Christopher, mais je commence à en avoir marre de ces petits jeux. Trois hommes, Lucas. Trois de mes hommes sont morts à cause de toi. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Je crois pas, non. Ça va faire quatre soldats morts dans un instant. Tu vas échouer. Et ensuite, tu vas crever. Ok. On a un problème ici. On est sur le coup, Chris. Retourne à la caverne centrale et attends mes instructions. Me laisse pas tomber. D'azote liquide près d'ici. Tu pourras peut-être désactiver la bombe en la gelant. Où sont les bouteilles? L'aire de stockage dans la zone d'extraction. Passe par la porte rouge. Thank you.
d'azote liquide se trouve juste un peu plus loin. Pas besoin de le dire deux fois. Ça va vraiment marcher? Dépêche-toi, Chris. Faut y aller. Ah 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 ah, ça a marché. Retire-la avant qu'elle dégèle et se réactive. Merde. Est-ce que ça va, Chris? Ouais, ça va. Ça va. Ok, Lucas. À nous deux maintenant. Chris, on a repéré une zone derrière le tunnelier. Lucas? Peut-être bien. Essaie de voir si tu peux y accéder. Compris.
faire. Encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. C'était limite sur ce coup-là. Combien de temps tu penses pouvoir endurer ça? Pas non plus que je te plaigne, du con. Je sais. J'ai fait des choses terribles. Horribles, même. J'ai tué des hommes. Je les ai torturés. Et j'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tout comme je vais apprécier de te voir brûler. Début du compte à rebours avant les donations. T'entends ça? J'ai l'impression que ton temps est compté. Tic, tac, Christopher. Tic-tac. Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Mais une bonne fois pour toutes, ferme-la. J'aimerais bien rester et te regarder mourir carbonisé. Je peux pas. On m'attend ailleurs. Défense.
Chris, rien de cassé? C'est bon, je suis vivant. On a intercepté un email que Lucas vient d'envoyer. Écoute ça. Je me suis occupé d'Umbrella et de Redfield. Tout ça m'a fait perdre du temps. Eux ont perdu bien plus. Mais je peux encore vous envoyer ces données, comme ça on sera quitte. Il croit que je suis mort. Il faut en profiter. Il a envoyé ça à qui? On est encore en train de décrypter ça. Occupe-toi de Lucas. Tiens-moi au courant.
Lucas! On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. De quoi je me mêle? Ça te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petite Evie. Beaucoup de gens. Tes amis, les Connections, sont au courant de tout ça? Pas sûr qu'ils soient du genre à pardonner. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper d'eux. Tu devrais me faire pour toi. C'est terminé. Non. Pas question. Ferme-la et accepte ton sort, Lucas. Ah, t'aimerais bien, hein? Oh la vache. C'est le plus vieux que ça. Je crois qu'on a un petit problème. L'infection est à un stade critique. Ouais, merci, je m'en étais rendu compte. Oh, une surprise pour toi. T'es dans la merde! Sans déconner, je suis au courant. Comme si j'avais pas été prudent jusqu'ici. Merci du conseil. Station d'approvisionnement en oxygène, prêt à oxygène. Il faut attendre que les réserves soient remplies.
d'oxygène. Station d'approvisionnement en oxygène. Comment j'arrête ça? Il doit y avoir un moyen d'éteindre le serveur. Mmh. Peut-être qu'en trouvant les relais du transformateur, tu peux... Ok, ça a marché. Pas sûr que les techniciens apprécient ça, mais bon... Tu vas me faire chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Oh. Oh. Alors je rentre. Ok. Tout est bien qui finit bien. Pas pour eux, malheureusement. Mais la moisissure est confinée. Espérons que ce soit les dernières victimes, Davy. Espérons. Chris, il y a un appel pour toi. Il faut que tu reviennes au camp. Compris. C'est bon, j'arrive.